Tout de suite sur Bobo TV, la chasse au son avec Bobo. Retrouvons Bobo pour une nouvelle mission. La dernière fois, tu as découvert le son d que l'on entend dans le mot dinde. Et ça te fait encore 3 blocs de glace supplémentaires. Super Bobo. Et maintenant, tu vas devoir aller chercher 3 blocs de glace de la même famille. 2 petits et un gros. Waouh ! Et nous allons commencer par le petit bloc C que tu pourras trouver au bord de la rivière. Bonne chance, Bobo. Bobo est arrivé près de la rivière. Tends bien l'oreille et écoute le son du bloc C. Oh, une carotte. Yam yam. D. Et des haricots. Les. Oh, du curcuma. Yam yam. Tour. Hey hey. Bo 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 bo. Connais-tu maintenant le son du bloc C? Oui! Il fait le son K, comme dans le mot carotte. Ouais! K, comme dans le mot haricot. Et encore K, comme dans le mot curcuma. Mission accomplie, Bobo. Tu as ramené à la grotte le bloc C. Oh. Et il fait le son K, comme dans le mot carotte. Wow. Également K, comme dans le mot haricot. Et encore K, comme dans le mot curcuma. Ouais. Vous voulez le fusionner avec un bloc de feu? Oui. Youpi. Fusionnons cette fois-ci le bloc C avec le bloc O. O. Ko. Wow. On obtient la syllabe ko que l'on trouve dans le mot copain. Ah oui. Et aussi dans copine. Et oui, c'est vrai. Tu as raison. Joli travail, les amis. Place maintenant au défi de Dino. Les sons cachés. Cette petite canaille de Dino a caché 3 blocs. Écoute bien les sons et trouve derrière quel rocher se situe le bloc C. C'est parti. Écoutons encore une fois. «
Facile, non? Si tu penses avoir trouvé, mets la vidéo sur pause et va dans les commentaires pour écrire 1, 2 ou 3. Puis, regarde la fin de la vidéo pour voir la réponse. C'est bon? Tu as fini? Alors, vérifions. Si tu as écrit 1, bravo, c'était la bonne réponse. Si tu t'es bien amusé avec Bobo et Dino, alors pense à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Et si tu viens de découvrir la chaîne, clique sur la tête de Bobo et abonne-toi.